On connaît Laetitia Hallyday depuis les années 90, puisqu'elle a épousé Johnny, de 32 ans son aîné, en 1996. Depuis, elle vieillit devant les photographes et les caméras. Et il faut l'avouer, elle a beaucoup changé au fil des années. Autrefois rousse avec une permanente, son visage n'est plus vraiment le même, mais peut-on en conclure qu'elle a fait de la chirurgie esthétique? Nous avons passé ses traits au crible. Le nez Laetitia Hallyday n'a sans doute pas refait son nez. Il semble plus fin qu'avant, mais l'ex de Pascal Ballan n'avait que 19 ans sur les premières photos connues d'elle. Il a donc pu s'affiner tout seul, ou bien il peut s'agir d'une illusion d'optique due au maquillage, à la coiffure ou à l'évolution du visage, pas de rhinoplastie en vue. Les yeux. Laetitia a eu droit à une restructuration des sourcils, qui change un visage et un regard. Il est très probable qu'elle ait bénéficié d'injections d'acide hyaluronique pour retarder le vieillissement de la peau et du contour de l'œil. À 46 ans, elle n'a aucune ride autour des yeux, ni de poche. Soit elle a une excellente peau, soit une petite piqûre est passée par là. La bouche. La maman de Jade et Joey a les lèvres fines, et ne les a jamais fait augmenter. Pourquoi ? Il y a quelques années, elle avait conseillé à Johnny de faire gonfler ses lèvres, juste avant une résidence à Las Vegas. Problème, l'opération a été un fiasco. Non seulement ce n'était pas Jojo, mais en plus le rocker avait du mal à remuer ses lèvres, ce qui peut poser problème quand on est chanteur. Tout est rentré dans l'ordre, mais l'expérience a clairement rebuté Laetitia. Les rides. À 46 ans, Laetitia Hallyday n'a aucune ride. La meilleure amie d'Hélène Darroze n'a peut-être jamais fait de lifting, mais on se doute qu'elle a eu recours à la médecine pour préserver sa peau du vieillissement, laser, pélin et sans doute des injections d'acide ou de botox ça et là. Le résultat est très naturel, la veuve de Johnny Hallyday n'a pas le visage figé. Le corps. La compagne de Jalil l'espère est très mince, et l'a toujours été. Cela a été un des grands problèmes de sa vie, car elle a été anorexique dans sa jeunesse. Aujourd'hui, Laetitia Hallyday va bien, elle a une silhouette fine et musclée. Sûrement grâce à la pratique d'un sport régulier. Elle ne semble pas avoir fait augmenter ses seins non plus, qui sont plutôt petits.